Bonjour à tous, ici Aganet MC, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 sur Ukulele and the Impossible Lair. Il est temps de continuer l'aventure, bien évidemment, après s'être laissé sur cet émoustillage finalement de découverte du jeu. Qu'est donc ce jeu, hein, tout simplement, ultra coloré, vachement bien fait en termes d'animation, etc. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que ça fait ça déjà? Ah oui, ça fait ça. On dirait que c'est pour changer le courant d'un certain, peut-être, d'eau, je sais pas, peut-être c'est... À mon avis, il va y avoir quelque chose qui va couler ici. Je sais pas trop. On avait donc libéré le passage ici la dernière fois, donc on va... Oh! Coucou les enfants, c'est moi, Vandy. Ah, je veux dire... Ah, c'est toi! Je viens vous sauver la mise avec mes tonifiants super efficaces. Oh, je m'en souviens. C'est vrai qu'ils étaient bien pratiques. Qu'est-ce que tu as pour nous, Vandy? Je vais vous montrer ça dans le menu des tonifiants. Voici le menu des tonifiants. Les tonifiants que vous trouverez dans le monde principal apparaîtront là-dedans. Il faudra d'abord les acheter avec les plumes. Ah, trouver dans les chapitres, mais vous avez de la chance, celui-ci est gratuit. Ah, donc les fameuses plumes servent à quelque chose. Appuyez sur A pour en débloquer un si vous avez assez de plumes. Allez, essayez, appuyez sur A. Tu veux vraiment débloquer les tonifiants Shop Me pour 0 plumes? Bah ouais, écoute, c'est gratuit. Bravo, vous avez acheté votre premier tonifiant. Appuyez sur A pour le sélectionner. Appuyez sur A pour en équiper. Excellent travail, vous vous êtes équipé du tonifiant Shop Me. Avec ça, il élit panique moins vite dans les chapitres, ce qui te donne plus de temps pour le sauver. Ah oui, ça c'est pratique ça. Non mais oh, qu'est-ce qui panique, espèce de gros bout de gruyère? Merci tout plein, Vandy, ça a l'air carrément pratique en fait. Oh que oui, et il y en a encore plein d'autres en effet variés. Si vous en trouvez un dans le monde principal, passez par le menu des tonifiants pour voir ses effets. Mais attention, il ne fonctionne que dans les chapitres. Bouh! Revenez quand vous voulez, si vous voulez plus d'informations. Il y en a un juste là-haut apparemment, donc ça pourrait être cool de l'avoir. Ok, ok, donc les plumes servent bien à quelque chose. Hein. Ah bah voilà, j'en ai récupéré en plus. Salut toi! Vous voulez acheter un indice pour 10 plumes? Bah écoute, ça c'est pas grand-chose. Oui, c'est satisfaisant, ok. Une fougère non loin d'ici renferme une cachette secrète. Donne une claque amicale à la fougère avec A plus LB pour la réveiller. Celle-là? Non? Une fougère non loin d'ici. Celle-là? Non. Ok. Alors il y a une bombe ici aussi. Hein. Faites une claque amicale avec. Ouais d'accord, bah ça j'avais compris. Ah! D'accord. Ok, bah j'en ai eu un nouveau. J'en ai eu un autre. Oh mais il y en a plein en fait. Alors, on est samedi soir et le chapitre à la fin. Ok. Yuka a une énorme tête, le summon de l'humour, ça ne te fait pas rire, on jette l'éponge. D'accord. Ellie a la grosse tête et maintenant ce n'est pas qu'un configuré. Une skin qui fleure bon les années 90, plus de fruits, moins de polygones. Ok. Yuka devient bioluminescent et brille, excellent pour évoluer dans les ténèbres et pour voir. Pour avoir l'air cool. D'accord. Ça c'est quoi? Ouvrir le premier péage de 3 heures. Ah ça va être des succès ça. Ok. Succès, tonifiant, les soldats bails qu'on doit récupérer. La carte. Et le menu des options. Enfin okay, ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, hein. On va descendre par là. Alors attends, parce qu'ici il y a ça là. Ok, non, ça fait rien. On va aller ici. Ah oui, d'accord, ok.
C'est pour aller ici, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Il y a un passage ici, hein. Ok, ça c'est pour casser ces trucs, d'accord. Ah merde. D'accord, donc maintenant on peut descendre par là. Et j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres passages. Ok, ah, ce qu'on pourrait faire par contre c'est aller là-bas. Attendez, je sais pas si on va avoir le temps. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bon bah c'est pas grave, j'aurais essayé. Ah, il y a beaucoup de choses à observer, hein, mais il faut qu'on aille par ici. Ok. Bonjour. Ah, il y a un truc à bombe ici. Ah, y a un autre caillou à péter ici, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Ah ouais, mais là... compliqué là, non? Comment je fais? Faudrait une caisse. Attends, peut-être que je peux sauter quand même par là. Ah oui, je peux sauter. Plus de quoi? Plus de checkpot? Ajoute des checkpoints au chapitre. Le docteur Puzz en a quelques-uns en rab qui traînent. Bon, j'en ai pas forcément besoin pour l'instant, mais... Bon, au pire, on va le mettre quand même, c'est quoi? Je sais pas si ça se garde. Je sais pas si ça se garde pendant tous les chapitres. Mais à voir, à voir, à voir. Oh, c'est le caméléon et la chauve-souris. Comme c'est excitant. Mes amis OM avons réussi à piéger des méchants dans le monde qui est à l'intérieur de nous. Nous pourrons vous aider dans votre quête si vous les chassez. On est prêt. C'est parti. Ah, c'est une page de chapitre en fait. C'est juste un niveau. Ah, c'est un petit niveau bonus. Défi victoire. Ok. Fantastique, vous avez réussi le premier niveau de défi. Ah d'accord, c'est des niveaux de défi. Je vais appeler les squads volantes et nous changerons le monde principal. Visez-moi ça. Pagi Power. Putain, mais le monde en fait, il est super interactif. Bingo. Le monde, il est super interactif. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Quel soulagement, voilà Yuka et Lely. Attention Yuka, c'est cette chercheuse calmar qui multiplie les bourdes. Tu as des problèmes, technique, Dr. Puzz? Ma foi oui, c'est ma dernière invention. J'étais fin prête à la faire démarrer quand j'ai égaré l'interrupteur. Mais t'inquiète pas, Doc, nous allons trouver un moyen d'activer ton énorme machine menaçante. Qu'est-ce qui a bien pu clocher? Je suis sûr que l'interrupteur est juste un peu plus loin. Ah bah il est juste là-haut en fait. Gardez les yeux ouverts pendant votre aventure. Merci Doc, on restera attentif. À plus tard. Alors là il y a un chapitre ici, mais attendez voir parce que quand même... Peut-être qu'on... Oh bah déjà il y a ça. Banquier en Tweetcoin. Oh, attends, on va regarder ce que c'est. Tu ne perds plus de Tweetcoins quand Yuka meurt. Le tonifiant préféré de Towser... Ah bah vas-y, c'est quoi, on le prend. On va le prendre, hein. Ah mais j'en ai pas assez en fait. D'accord, ok, ça marche. Je suis en train de me dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Je
Je sais pas s'il faut que je le mette là-dedans, mais... Ok, c'est juste pour passer ici. Ok. Il y a un autre chapitre ici. Il y a un tonifiant ici. Ok. Pour l'instant, on peut rien faire ici, hein, j'ai l'impression. Hein. On va devoir continuer. Hein. Je pense. Allez, c'est parti. Chapitre 3. On va essayer de les faire dans l'ordre, hein, quand même, hein, parce que sinon, ça va être un peu bizarre. Allez, c'est parti. Bah, après 10 minutes, voilà, on commence enfin. Lancer le niveau. Qu'est-ce que ça fait si je clique là? Ah, c'est pour choisir les trucs. Grosse tête, le canin. Hein. Ok. Ok. Oh merde. Rien à faire ici. Il y a une plume là-haut. Hein. Ah merde, tu peux pas la tuer ou quoi? Ok, ça marche. Ok. J'observe. Je sais pas si je peux descendre en vrai. Ah. Dommage, j'en ai raté une seule. Je sais pas où sont les tweet coins, hein, j'en ai pas trouvé encore donc. Peut-être qu'il y en a une par là. Ah, il y en a deux ici. On a trouvé la 2 mais pas la 1. Écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Comment je monte là? Putain, c'est chaud pour monter là-haut. Ah ouais, mais bon, après voilà quoi. Oh. Non. Ok. Pourquoi je casserais ça?
On a eu la 3. Ok. Oh là, je l'ai vu. Bah oui, mais c'est chaud. Parce qu'il y avait une plateforme là en haut à gauche et j'ai voulu absolument y aller, mais bon, tant pis. Non, tu peux pas en fait y aller. Encore besoin de ce truc. Ah merde. Mais non. Mais putain. Mais. Elle m'a demandé d'aller là dans le trou, la plume, c'est pour ça que j'ai pas compris. On n'a pas eu la 4. Bon bah c'est chaud quand même hein, pour essayer de trouver les tweetcoins parce que... Voilà quoi. 3 sur 5. Elles sont bien cachées apparemment. Faut vraiment bien observer hein. Ici maintenant. Allez. Tu trouves les informations sur... Ok. Ça marche. Ah bah j'ai bien fait d'aller ici hein. Ok. Ça va, c'était pas trop bien caché. Ah ouais, parce qu'on peut peut-être aller là-haut. Non, on peut pas. On peut pas aller là-haut.
Ok, c'est bon. Ça c'est récup. Plume, je pouvais pas les suivre. Il y a un passage par en bas, what the fuck? Oh, il fait... Ah, ils font apparaître des tweetcoins, les plumes bleues. Il faut absolument les trouver, les plumes bleues. Il faut les faire. Donc là ça va, on a trouvé la... Comment je fais pour l'avoir celle-là? C'est impossible. Pas la prendre la plume verte, je vais tomber là. C'est sûr et certain. Oh merde, mais comment tu veux que je la chope celle-là? Mais les gars, je comprends pas. Il doit y avoir une technique que j'ai pas appris en fait. Hein. Oh, j'y étais presque, putain. Comment je fais pour la choper? Elle est impossible! Trop chaud. Oh, je peux pas. Je peux pas la choper. La cinquième pièce c'est impossible, hein. Littéralement. C'est chaud pour le faire à 100% le jeu. Ouais, hein, il y a des trucs hein, subtils. Hein. Hey. On dirait qu'on est dans une impasse, Layli. Eh oui. Yuka Layli, comment se passe votre aventure? Mieux que dans le jeu précédent, merci. Il parle du jeu, what the fuck. Lely, ça va même si on dirait qu'on se retrouve dans une impasse. Ah, heureusement que je suis venu voir comment vous alliez. J'ai une idée. Essaye de lancer cette blague glaciale dans l'eau, là où atterrit le chapitre. Ça gèlera le chapitre et ça devrait avoir un effet sur le monde à l'intérieur. Oh, waouh! Alors vous pensez qu'on pourra atteindre de nouvelles zones?
Ça vaut le coup d'essayer. Allez-y. Oh, le chapitre est gelé. Allez explorer, mes amis. Je parie que c'est tout nouveau monde. C'est tout un nouveau monde qui vous attend. D'accord, donc t'as des variantes en fait de... T'as des variantes de chapitres aussi. Tu peux le transformer en variante. Allez, on va le faire. On a 26 minutes d'épisode, on peut le faire. Ah ouais, du coup, donc forcément, c'est tout est gelé. On retrouve la pièce presque au même endroit. Aïe. Non mais... Mais putain mais... Non, laisse tomber. T'as la musique, elle a changé et tout, c'est trop bien. Mais tu vois, ça là, comment je fais pour l'avoir? Je sais pas comment je fais pour l'avoir. Putain. Non. Oh là 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 là. Graphiquement c'est beau, y a pas à dire. Mais j'ai l'impression que je rate tellement de tweetcoins, c'est insane. Là c'est sûr y en a une là. Voilà. Oh putain, on a eu que la troisième. Mais la première ça l'a pas compté, putain, ça veut dire que les tonifiants ils marchent qu'une seule fois en fait. Ah voilà, on va trouver qu'une pièce ici, je vous le dis. Ah, il nous manque tellement de trucs. Mais vous voyez, putain, mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces trucs? Comment on fait pour avoir les cônes qui sont là-haut? Je comprends pas. Smoke!
Compliqué de trouver les trucs, hein. Oh, quel changement! Oui, j'avais le pressentiment qu'il était possible de modifier les chapitres de cette façon. Je suis sûr que chaque chapitre peut être transformé en quelque chose d'étrange ou de magnifique. J'ai fait pousser une baie de feu pour que vous puissiez faire fondre celui-ci et changer d'état comme bon vous semble. Ah d'accord, ok, ça marche. Et regardez qui a pointé le bout de son nez pendant que vous étiez à l'intérieur. Bonjour les amis. Pour continuer votre aventure, allez parler à la Pagie. Je retourne à la ruche pour rallier les troupes libérées. Continuez comme ça les amis, vous vous débrouillez comme des chefs. D'accord, donc là on a fait le monde... ok, figé. Et là, si tu fais ça... Ah, c'est comme ça que tu changes, en fait. Tu peux pas sélectionner le monde. D'accord, ça marche. Ok, bah écoutez, on va faire ça encore pour finir. C'est parti. Ok, défi de Victor fait. Donc forcément ça va avoir un impact sur le monde normalement hein, si ça se passe comme tout à l'heure. Bien joué. On a maintenant le pouvoir de changer le monde principal. Regardez ça. Pagi Power. Yeah, on est débloqué. Voilà, bah écoutez, sur ce les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode numéro 2 sur Yooka-Laylee and the Impossible Lair. J'espère que ça vous aura plu. Pensez, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu avant de partir, ça fera super plaisir. Et puis on se donne rendez-vous très très bientôt pour la suite. C'est Iconite, and see you for the next episode. Oh yeah!